Soon after Vincent Doyle, Mary Eisman, the Mary Jean Greig have been working on this medication, the first reports coming out about the possible treatment during pregnancy. Because what have you been learning over the decades? It kept women in medical treatment, so there is an option to get in touch with them and to increase the retention rate to decrease the illicit consumption. But we also have to be aware of that there is no medication, neither methadone nor buprenorphine, no medication has ever been registered for pregnancy. As in many other drugs, if you look into antihypertensive, antidepressants, it's usually referring to the evidence, to a retrospective evidence. Maybe there is, of course, 90% of heavily smokers, mean of 20, 30 cigarettes a day, alcohol, other medication. So the outcome, like the outcome parameter that methadone might be responsible for being low of gestational age, will not be correct. It will be related to other substances. So we have to also not only control for other drugs, but we also have to control for the amount of nicotine cessation. And if you are treating individuals during pregnancy, we have to focus on this as well. We also have to focus, if we judge the neonatal abstinence syndrome, are we having preterm deliveries separately investigated from term deliveries? And there might be some evidence that the opioid receptors are not that built out in preterm deliveries, as usually preterm delivered babies do have a lower neonatal abstinence syndrome as term deliveries. So if you go to literature, be very cautious whether there has been a differentiation. And of course, there are many Finnegan's scores. The majority of publication, some of them are referring to Lipsitz, but a majority is referring to Finnegan. But hardly any publication has been using the original Finnegan. Most of the publication are referring to a modified Finnegan in regard to the items, also in regard when treatment initiation was. So it's very difficult to compare the different outcomes or to do a meta-analysis because always different approaches have been applied. And of course, we do know anything about the pharmacodynamics and pharmacokinetics in neonates. What lesson we should have learned is actually that if we only have opioid-maintained pregnant women and the fetus was only exposed to opioids, the standard of care should be morphine. And these are the results out of a study done by Nina Ebner from my group. And she actually looked in patients in 53 mothers, but mothers-to-be, who did not have any concomitant consumption during the last 3 months of their pregnancy. What actually, she could confirm that there is no positive correlation between the mean dosing of the opioids and the intensity of the neonatal abstinence syndrome. What she found actually is in patients who don't have anything on board, then there's a significant lower occurrence of neonatal abstinence syndrome in the buprenorphine group. And again, you know, this is relating to the last medication, after delivery, not to the last medication. Buprenorphine has a rather late onset in a neonatal abstinence syndrome. And if she compared these groups, either treated with morphine, the neonates, or with phenobarbiturates. Alors rapidement, des données sur les conséquences obstétricales. Il y a en particulier une très grosse méta-analyse de Hadis en 2001, qui est très, très bien faite, très intéressante. Clairement, tout du long, le facteur confondant, c'est toujours le tabac. Alors, une des choses qui fait très, très peur, à juste titre, c'est les hématomes rétroplacentaires. Alors, c'est vrai que quand on compare dans la méta-analyse qui étudiait 17 études, quand on compare un groupe de femmes polyconsommatrices avec de la cocaïne et un groupe de femmes polyconsommatrices sans cocaïne, on a incontestablement une augmentation de fréquence en multivarié, donc clairement liée à la consommation de cocaïne, augmentation de fréquence
de l'hématome rétroplacentaire, et je rappelle qu'un hématome rétroplacentaire, ça met en jeu le pronostic vital maternel, ça met en jeu le pronostic vital du bébé, et c'est très souvent accompagné d'une grande prématurité avec ses conséquences propres. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une multiplication par 4 d'un phénomène qui n'est pas fréquent. C'est-à-dire qu'en pratique, alors là, ce n'est même pas 4, c'est un peu moins, dans l'étude de Bauer, on est à 3% versus 1,2% quand il y a ou qu'il n'y a pas de la cocaïne. Donc c'est vrai que c'est favorisé par la cocaïne, mais ça n'en reste pas moins un phénomène peu fréquent dans l'ensemble des femmes consommatrices de cocaïne. La mort fœtale in utero semble un peu augmenter, mais c'est multifactoriel, il n'y a pas de données très récentes. Je m'excuse pour les abréviations très obstétricales et très, pour l'une, anglo-saxonne. Le PPROM, c'est la prémature préterme rupture of membrane, et qui est, là encore, augmentée chez les consommatrices de cocaïne. Là, c'est un facteur de prématurité. La concentration de cocaïne dans les cheveux de la mère est indépendamment associée à l'augmentation de fréquence d'avortement, mais en fait là on est sur des risques relativement modestes, 1,4. Placenta previa idem, avec des autres ratios entre 2 et 4. On est exactement dans les mêmes risques relatifs que le tabac pour ces différentes complications. Et puis, propre à la cocaïne, il y a des complications cardiovasculaires maternelles avec, après absorption massive de cocaïne, des tableaux qui ressemblent à des prééclampsies. Donc, pour conclure, les risques périnatales majeurs qui ont été décrits aux États-Unis dans les années 80-90 semblent actuellement moins fréquents et moins graves. Il y a un super éditorial qui est celui de Shafkin dans le Lancet, je crois que c'est le Lancet, oui, dans le JAMA, pardon, qui expose très bien le contexte politique répressif autour de la cocaïne dans les années 80-90 aux États-Unis, avec même un autre papier qui montrait que les publications montrant les dangers de la cocaïne étaient mieux reçues par les comités de lecture que les publications montrant que c'était moins dangereux à qualité scientifique identique. L'exposition in utero à la cocaïne, surtout à de fortes doses et ou par le crack ou les amphétamines, augmente la fréquence de pathologies périnatales, HRP, hématome rétroplacentaire, accident cardiovasculaire maternel, prématurité, retard de croissance. Il n'y a pas de syndrome de sevrage sévère, sauf si la mère est par ailleurs consommatrice d'opiacés ou de benzo, ni incidence majeure de malformation ou de lésion cérébrale. Et en fait, la gravité en termes de pronostic périnatal, et y compris de développement ultérieur de l'enfant, elle est essentiellement sur les polyconsommations, tabac et surtout alcool, et le style de vie chaotique, pour les conséquences à la fois périnatales et pédiatriques à long terme. Pour nous, la grossesse est véritable, peut être considérée comme un levier thérapeutique pour les femmes que nous avons rencontrées en maternité au début des années 2000. Comme pour toute femme, la grossesse est une période de changement, modification de vie, un nouveau projet de vie très souvent, mais d'autant plus pour ces femmes-là, elles vont être... Notre objectif est de mobiliser les énergies liées à cette grossesse, à la présence de cet enfant à naître, pour qu'elles puissent envisager de penser l'avenir, de prendre soin d'elles, ce qui est très souvent... peu le cas au préalable, et par là même retrouver, en se situant du côté de la maternité, même si on est loin quand même de l'idée de la maternité rédemptrice, hein, c'est pas notre propos, mais qu'elle acquiert par là une nouvelle dignité en rencontrant aussi des professionnels évidemment bienveillants.
La grossesse, pour nous, est donc un abord aussi pour proposer à cette femme une prise en charge qui est forcément multidisciplinaire, comme ça a déjà été dit dans les deux exposés précédents. Alors, pourquoi tant